Ben ouais, salut les roses! La semaine dernière, avec les filles, on a eu la chance d'être invitées par le centre commercial Créta et Soleil pour un énorme meet-up Rose Carpet. On va montrer la scène, hein? C'est mon rêve! Allez les filles, c'est pas tout, mais il faudrait penser à faire les balances. Lola, tu vas nous dire la première chose qui te passe par la tête. Bonsoir Créteil, merci d'être venue en nombre. Ouais. On est sur une serpillière magique au troisième étage. La serpillière magique est exceptionnellement 9,99€ les trois serpillières. Et on me dit quand on est bon, car ça devient gênant pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'était Lola Dubini pour Rose Carpet. Quelques ajustements et voilà qu'on entend arriver les premières abonnées. Il est 57, ça ouvre à 10h. On a deux. Alors, comment tu te sens, Elsa, à quelques minutes de rencontrer toutes ces roses? Ben, super bien. J'étais un petit peu fatiguée en arrivant. Et là, avec l'ambiance et tout, ça commence à monter. Je suis trop contente d'être là. Ça me fait intimider aussi, quand même. Hein. Allô les roses! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que on est avec les meilleures de toutes les roses, celles qui se sont déplacées un dimanche matin pour nous voir. Et je sais pas vous les filles, mais moi, ça me fait un petit peu la chair de poule. Déjà, on applaudit la voix de Rose Carpet. Comment vous est venue l'idée de créer Rose Carpet? PS, je vous aime toutes les filles, vous êtes au top. Le rire? Ouais, non, je pense que... ouais. Ça. Je sais pas, moi c'est l'amour. Ouais. Moi quand je suis allée sur Rose Carpet, il y avait que Marie, donc il y avait moins de monde, mais oui c'était pour ça, ouais, dans une sorte de petite communauté, une petite famille comme ça. Et au début on n'était pas beaucoup et on savait que voilà on allait finir par être nombreuses et voilà c'est pour le fun. Le fun et la famille. Ouais, voilà. C'est mieux d'être toutes ensemble que de rester dans son coin. On pourrait, tu vois, rester toute seule dans notre coin sur YouTube, faire notre truc, mais c'est tellement mieux, je trouve, de faire partie de quelque chose comme ça et de faire des trucs ensemble. Alors, une autre question. C'est quoi votre filtre Snap préféré? Oh, moi, c'est le. Comment il s'appelle? C'est celui qui fait la grosse bouche, la grosse singe. Et Yoko, son filtre préféré, je pense que si vous la suivez sur Snapchat, on est tous d'accord pour dire que c'est mon préféré. La couronne de fleurs. En ce moment, j'aime bien le lapin. C'est le lapin. Le lapin, en ce moment, il a une place particulière. Mais si on pouvait faire le lapin avec l'arbre. Mais le lapin, il fait une tête trop mignonne, il voit très mignonne. J'avoue, le lapin. Après, quand tu revois ta vraie tête, t'es écœuré. Je sais pas vous, mais moi, j'arrive plus à faire de snap maintenant sans filtre. C'est terrible, genre, tu peux plus maintenant. Je voulais savoir quel a été votre plus beau voyage. Miami, moi. En fait, moi, c'est la première fois de ma vie que je voyageais aussi loin. Et c'est grâce à Rose Carpet, sinon dans ma vie, je pense que je l'aurais pas fait avant longtemps. Et genre, c'était la première fois que j'ai pris l'avion pendant 9 heures. J'ai cru crever. Et il y a des gens, à un moment, j'ai une phobie du lait. Je vous raconte cette anecdote parce que c'est extrêmement drôle. J'étais avec toute l'équipe de Rose Carpet et ils savent que je suis un peu phobique du lait, quoi. Vraiment, je supporte pas ça. Voilà, j'en connais une. Et en fait, on était à je sais pas combien de mètres d'altitude. 5 heures de vol dans les pattes, il en restait 2 ou 3. Et là, ils nous offrent une petite collation qui était ni plus ni moins qu'un yaourt à la grecque. Et ça puait le lait dans tout l'avion. Du coup, je suis allée aux toilettes à ce moment-là et puis tout le monde était genre... Et puis, bref, Miami. Un des meilleurs souvenirs de l'équipe d'ailleurs. C'est clairement le meilleur souvenir de l'équipe Rose Carpet. Mais si Rose Carpet, c'est possible qu'un jour on puisse faire un voyage avec toutes les roses ensemble. Ah oui, ça serait très trop bien. Pour les 1 million. Ouais, je sais pas, ça dépend du public d'aujourd'hui là. À votre avis, est-ce qu'on va faire ça? Oui. Ouais, c'était un petit oui, donc je pense qu'on ira juste à l'extérieur de Paris. Hurlez. Ok, voilà. Là on est en Europe. Je sens qu'on est encore les États-Unis. Alors attendez, alors du coup, Bahamas. Le monde pour Rose Carpet, est-ce qu'on peut faire du bruit pour le monde? 1, 2, 3. Un peu plus loin et on allait sur Mars. Voilà. Je m'appelle Alexandra et je vais savoir c'était quoi le plus gros fou rire que vous avez eu sur Rose Carpet. Je sais pas, la voix, tu peux nous aider toi? Il y a des fois où on a dû couper des longs passages. Ouais. Je pense que, en tout cas, nous, une des vidéos qui nous
nous a fait le plus rire à tourner, c'était le smoothie challenge. Ah ouais. Ouais. Il y a une vidéo moi, où je me souviens avoir extrêmement ri, c'est la vidéo du wasabi challenge avec Yoko. Ah oui. En fait, au début, on pensait que le wasabi n'était pas fort du tout. Et là, j'en ai une de nous qui prend la première bouchée. Et ça nous a mis, je pense, pendant un bon gros quart d'heure, quoi. Ça nous a trop fait marrer. Bref, wasabi challenge. Et puis enfin, ce fut le moment que tout le monde attendait. Les photos, slash dédicaces, slash énorme câlin. Vive Scarface ! Je suis trop contente ! Eh ben nous aussi, on est trop contentes. Un petit mot les filles ? Moi j'aimerais leur dire que je les aime toutes, qu'elles continuent de faire ce qu'elles font, qu'elles ne s'occupent pas des critiques parce qu'elles l'auront toujours, et pourquoi pas faire des vidéos avec des abonnés. C'est vraiment incroyable, elles sont super gentilles, et en fait elles sont totalement comme quand on les voit derrière l'écran en fait. J'ai une pochette, avec le Be Extraordinary, j'aime bien. Il y avait des bonbons mais j'ai tout mangé. Il y a plein de produits de chez Kiko, il y a un crayon, un eyeliner, une ombre à paupières. Là on enchaîne les dédicaces, les rencontres, j'ai un peu chaud mais c'est trop bien. Franchement, un super moment, les filles sont adorables, elles sont trop contentes d'être là, ça se voit et ça fait trop plaisir. C'est bientôt la fin du meet-up et on a vu tellement de chants, c'est ouais, c'était vraiment trop cool. Ah non. On restera ensemble toute la vie. C'est une phrase dans son cadeau. Oui. Elle me prend dans son sac à dos. C'est trop bien. Vraiment, je les aime trop, je veux toutes les adopter. Donc j'ai lancé des procédures. Non, elles sont trop miennes, enfin, ils sont trop mignons parce qu'il y a un garçon pour l'instant, Johan. Donc trop chou, je suis fan. Je leur fais plein de bisous et j'espère les revoir très bientôt aux prochains événements. Ouais, c'est bon. Ça fait trop plaisir de les voir en vrai, de mettre des visages sur des pseudos. Je les aime de tout mon cœur. Et si on les aidait un peu ? C'était vraiment une super, super, super journée. Merci à Créteil Soleil et à toutes les filles qui se sont déplacées. On vous aime beaucoup trop et on vous fait d'énormes bisous. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si j'étais toi, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route.